Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Readings. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture sur mes amis du groupe du signe Zodiac Verseau pour le mois de septembre 2018. Ok, so avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y aura quelques petits changements sur mon channel. Comme je l'ai dit la dernière fois, désormais, je posterai seulement que la moitié de ma vidéo sur YouTube et une autre moitié sur Vimeo parce qu'apparemment, il y a des gens qui s'amusent à copier ce que je dis pour faire leur vidéo aussi. Et c'est pas cool, whatever. So, voilà, et on s'occupe mal que je suis bilingue, je parle anglais et français mélangés. Et puis, quoi d'autre? Oh oui, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Thank you. So, maintenant, voyons voir ce qui se passe pour mes amis du signe Zodiac Verseau. Alright. Oh, wouh, caméra. Ok, so, si vous voulez aussi avoir une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosilinois@gmail.com. So, voyons voir ce qui se passe pour Jean du Verseau pour le mois de septembre 2018. Please, show me what's going on for the Aquarius for the month of September 2017. What's going on for my Aquarius for the month of September 2017? Thank you. Ok. Ok, so. So, certains d'entre vous, vous êtes dans une période d'attente, ok? Il se pourrait que soit une partie d'entre vous, pas tout le monde, alright? Soit une partie d'entre vous, vous aviez, votre partenaire, c'est quelqu'un que vous aviez eu envie de, d'être dans une relation stable, etc., etc. Mais il y a eu séparation, alright? Il y a une séparation qui vous a demandé de vraiment faire l'effort pour annuler même peut-être des fiançailles ou annuler quelque chose où vous trouviez, annuler ce genre d'action-là qui vous faisait sentir bien dans vous-même, quoi. Du genre, le fait de flirter avec la personne, le fait d'être ami avec la personne, le fait de toujours vouloir être proche de cette personne-là vous donnait vraiment envie peut-être de marier cette personne, d'épouser cette personne, d'être dans une relation vraiment stable avec cette personne, alright? Mais il y a eu une situation ici où vous avez dû accepter le fait de... Vous avez dû accepter le fait de vous libérer de cette énergie-là, d'avoir envie d'être avec votre ex, parce que peut-être que l'amour n'était pas vraiment réciproqué, ok? Si vous étiez fiancé à cette personne, peut-être même dans un mariage, je ne sais pas, c'était une situation où vous avez l'impression de donner beaucoup plus dans la relation que ce que votre partenaire vous donnait en retour. Et c'est quelqu'un pour qui vous aviez vraiment beaucoup d'attention, quelqu'un avec qui vous aviez toujours envie d'être, quelqu'un avec qui vous avez toujours envie de rester proche, amis, c'est-à-dire que non seulement on est amoureux l'un de l'autre, mais on est aussi de bons amis, alright? So, il y a eu séparation avec cette personne-là, et pour la plupart d'entre vous, vous voulez vraiment faire des efforts pour vous séparer de la personne, pour vous éloigner de la personne. Certains d'entre vous, vous devez voyager, je sais pas, vous allez où? À Rome? Je sais pas. Maintenant, vous devez voyager, vous essayez de voyager, d'aller dans un pays inconnu, whatever, pour essayer de vous éloigner de votre partenaire, alright? Ou bien peut-être que votre partenaire, il est carrément dans votre cercle d'amis, ou vous n'avez même plus d'amis à cause de cette personne, et aujourd'hui, vous avez décidé de vous séparer de cette personne, d'essayer d'aller en aventure, et que peut-être quand vous allez vous séparer de votre partenaire, vous allez rencontrer cette nouvelle personne-là qui va faire battre votre cœur. Vous vous dites que il est peut-être mieux pour moi de me séparer de cette énergie toxique, cette énergie d'obsession pour mon partenaire, pour peut-être avoir une nouvelle vue des choses, peut-être avoir une nouvelle façon de voir les choses, alright? Oh my god!
Je peux jamais avoir de bonne lumière ici là. C'est pas possible. This is so fucking annoying. Anyway. So. Quoi d'autre? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Please, Angel, show me more information. Show me more information for my Aquarius for the month of September 2018. Thank you. Ok. Ouh. Voyons voir. Ah, yeah, certains d'entre vous, vous vous sentez délaissé par votre partenaire. Vous vous dites que, après tous les efforts que j'ai mis dans cette relation, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai investi, mon argent, mes finances, ma propre personnalité, peut-être. Peut-être il y a certains dont vous avez même changé de personnalité à cause de votre partenaire, dans le sens où vous vous dites que si cette personne était vraiment ma moitié, mon soul, je suis prête à me remettre en question. Je suis prête à essayer de voir ce que je peux faire pour être avec cette personne. Mais malgré les efforts que vous avez faits, il se pourrait que même quand vous êtes parti, vous avez décidé de partir, votre partenaire n'a même pas ouvert la bouche pour vous dire pourquoi tu pars, ne pars pas, reste avec moi, etc. Yeah, pour certains d'entre vous, vous êtes carrément parti d'une situation et votre partenaire n'a même pas osé ouvrir la bouche pour dire « Oh !» Pourquoi tu pars, ne pars pas, je t'aime, je veux être avec toi, tu es tout ce que je désire, right? Il n'a pas fait ça. Il vous a laissé carrément partir, vous a laissé carrément vous éloigner. Il n'a pas essayé de vous retenir. Bon, ça c'est juste pour une partie, c'est pas pour tout le monde, alright? N'oublie pas que cette lecture peut résonner comme elle peut ne pas résonner avec vous. Si elle ne résonne pas avec vous, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Et aujourd'hui, vous aimeriez mettre fin à la déception que vous avez eue. Il se peut même que quand vous ayez décidé de partir ou de quitter votre partenaire, de partir loin dans un autre pays, une autre ville, une autre région, etc. Vous avez peut-être gardé dans l'arrière de vos pensées que, ok, je vais continuer de croire que mon partenaire va revenir vers moi, mon partenaire va essayer de se réconcilier avec moi. Et pour une autre partie, c'est du genre... Pour une autre partie, c'est du genre, vous avez eu vraiment mal. C'est-à-dire que c'est comme un poignard qui vous a poignardé lorsque vous avez décidé de quitter votre foyer, votre maison ou votre appartement. Vous viviez tranquillement avec votre partenaire. Vous avez décidé de partir, que votre partenaire n'a rien dit. Ça vous a fait, c'est quelque chose qui vous a fait vraiment mal. Mais à la fin, c'était une décision prise où vous avez dit, ok, cette fois-ci, c'est le moment pour moi de savoir si tu m'aimes vraiment. Parce que moi, je suis vraiment amoureuse de toi, ok? J'ai fait beaucoup d'efforts ici, j'ai fait beaucoup d'efforts par là, c'est... 7 minutes. J'ai fait beaucoup d'efforts ici, j'ai fait beaucoup d'efforts par là. J'ai envie d'être avec toi. Et si je pars, et que d'abord je pars, j'espère que tu vas dire quelque chose. Et si je pars, tu ne me dis rien. Là, tu me blesses vraiment. Mais je te donne encore une dernière chance avec mon départ pour savoir si tu vas vraiment t'ouvrir et me faire voir que tu es vraiment contente d'être dans un... Dans un fiançailles, un mariage, un commitment, une relation stable avec moi. Et je ne vais pas prendre d'action pour essayer de te garder. Et je ne veux même pas, peut-être même que tu essayes de venir vers moi de la façon passionnée comme tu le fais aussi before. Because je me dis que tu le... Bon, il y a certains, c'est du genre, je ne veux pas que tu viennes vers moi et puis genre tu me fasses des cadeaux, machin, pensant que voilà, je suis très défensive avec tout ça. Je veux juste la vérité sûre. Ce que tu vois de notre relation, ce que tu penses de notre relation et comment les choses évoluent, comment tu voudrais que les choses avancent, alright? Donc, c'est un peu ça. Ok, so, les Verseaux, ça c'était votre lecture que j'ai pour le mois de septembre 2018. J'espère que ça va résonner, laissez-moi savoir dans les commentaires et puis... N'oubliez pas, ouh, mes cheveux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime, alright? Bye bye!